et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeux de réponses sur Echo 237. Alors, ce matin, nous sommes au marché du Mfoudi, lequel marché est situé dans la capitale politique. Nous avons baladé notre micro auprès des commerçants pour répondre à la question « Quel est le plat le plus consommé au Cameroun selon eux ?» Let's go. Alors, selon vous, quel est le plat le plus consommé? C'est le héros. Pourquoi? Parce que ça se consomme presque dans toutes les régions du Cameroun. Que ce soit à l'ouest ou dans le centre, au nord-ouest précisément, où ça se, où on cultive toutes ces choses, ou bien dans le sud-ouest, ou bien dans le littoral. Bon, d'après moi, je vois que c'est ça le héros. Selon vous, madame, quel est le plat le plus consommé? Le plat le plus consommé au Cameroun, ce sont les feuilles de manioc parce qu'il est très vitamineux et c'est un plat avec lequel nous-mêmes on a grandi. Nos parents nous donnaient chaque matin, chaque soir, c'était notre repas de tous les jours. Selon vous, madame, quel est le plat le plus consommé au Cameroun? Selon moi, ce que je vois les gens manger beaucoup, ils pensent bien que c'est le riz. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'ils mangent beaucoup de riz? La pauvreté, non. Autant puisque les tubercules sont devenus plus chers. Les gens ne s'en sortent pas. Tu vois, quand on te dit le tas de manioc, peut-être, pourquoi aller vendre? Pour aller vendre le tas de manioc à 1000 francs, et pourtant le kilo de riz est à 600, 550, ils préfèrent prendre le kilo de riz. Et que prendre peut-être un tas de manioc de 1000 francs. Parce que là, il nourrit presque toutes les familles. Un kilo de riz, c'est déjà à nourrir au moins 5 enfants à la maison. Alors que le manioc, on te vend peut-être 5 tubercules de manioc à 1000 francs. Ça ne peut pas suffire. Le couscous avec le cuit. Le cuit, non. Parce que avec 1000 francs, tu peux faire le couscous avec le cuit, la famille mange. Oui. C'est le riz. Ensuite le pain. Non, puisque c'est ça qui est très facile. C'est plus facile à trouver. Il peut manquer le macabo, il peut manquer le. Il peut manquer la banane, le plantain, ainsi de suite. Mais le pain est facile. Hein. On préfère manger le pain le soir avant de dormir. On préfère manger le riz. Ça ne serait-ce que le riz, on dort. Ça dépend. Ça dépend de la région. Par exemple, dans la région du Dan, le département du Mungo, c'est le coquille qui est le plus consommé. Parce que c'est leur mère d'origine. Et ici, par exemple, dans le centre. Donc, ça dépend de chaque région, en fait. Mais le héros est devenu très populaire. Et elle est consommée partout et par plusieurs tribus. Dans mon communauté, la nourriture le plus consommée, c'est le riz. Pourquoi? Parce que la préparation est facile et le prix aussi est moins cher. À cause de la situation de vie. En blaguant, le riz se mange beaucoup, hein, le riz. En passant, c'est le plat. Parce que quand on arrive partout, c'est le plat. Parce que c'est moins cher. Les gens ne vont, quand je parle d'une douleur là, parce qu'il faut débourser au moins 500 à 1000 francs hein, pour manger un bon plat. Donc c'est le douleur. Le riz qui se consomme beaucoup en quantité. C'est le riz. Le plat le plus consommé, c'est le riz. Parce que c'est vrai qu'avant, le riz aussi était moins cher, mais maintenant, c'est un peu devenu cher, mais c'est quand même abordable par rapport aux autres compléments. Ça dépend, hein. Ça dépend des maisons.
Ça dépend des maisons. Par exemple, un travailleur comme moi, je dirais que c'est le riz. Parce que quoi, après avoir touché le salaire, j'achète un sac, je mets à la maison. Et je complète avec d'autres compléments. Les Camerounais consomment plus de riz avec la vie qui est très dure. Parce que le riz, au moins c'est le riz qui coûte 500 francs le kilo. Mais un doigt de banane coûte combien sur le marché? La banane est plus chère que le riz actuellement. Pourtant, avec 200 francs, on préparait le la banane. Mais aujourd'hui, avec 500 francs, on prépare du riz au lieu de la banane. Le plat le plus consommé dans l'environnement où je suis, c'est beaucoup plus le spaghetti sauté. Vous voyez un peu, non? Déjà parce que le spaghetti sauté, un plat, je ne sais pas quoi, un plat de résistance en fait, pour nous les travailleurs.